faire à l'extérieur et qu'on est sur le point de sortir de l'heure d'une prière, sans mosquée aux environs. Donc ça, c'est un frère qui a posé cette question. Est-il permis de prier assis dans sa voiture et pas debout dans la rue, de peur d'être dérangé? Bon, je crois que c'est une sœur, elle a écrit dérangé avec E. Voilà, c'est une sœur. De peur d'être dérangé ou autre, pendant qu'on est concentré en prière. Je ne sais pas ce que ça veut dire dérangé. Non. Si dérangé, ça veut dire que j'entends le bruit des gens ou bien ceci ou cela, tout ça n'est pas une excuse. Tout ça n'est pas une excuse. Car prier debout, est un pilier. Ce n'est pas seulement une obligation, c'est un pilier. Je ne prie assis que quand il n'y a plus de solution que celle de prier assis. Non. Sinon, dans tous les cas, je dois prier debout. Mais, si vraiment il ne me reste que cette solution, prier assis ou ne pas prier, dans ce cas, je prie assis. Mais sinon, si je peux me lever, par exemple arrêter la voiture et descendre, et prier debout, derrière un arbre ou je ne sais où, là, et que je suis sûr que on va pas m'agresser, mais on va pas me frapper, on va pas ceci, là, je suis sûr, l'endroit est sécurisé par exemple, là, je dois prier debout. Maintenant, si je sais que si je vais descendre, je vais prier debout, on risque de m'agresser, de me frapper, de me jeter des cailloux et ceci, cela, je suis excusé pour prier assis bi'idhnillahi ta'ala. S'il n'y a pas un autre endroit sécurisé bi'idhnillahi ta'ala. Fadwal.